Celui qui n'arrive pas à baisser le regard dans la rue quand il voit des filles, ou quand une fille voit un garçon, dans le Coran, il va trouver le remède à ce péché. Celui qui n'arrive pas à être honnête, dans le Coran, il va trouver un remède. Celui qui n'arrive pas à faire la prière, s'il lit le Coran, il va trouver le remède à cette fainéantise, cette paresse. Quand il ira que les gens de l'enfer, ils diront que la première chose qui les a fait rentrer en enfer, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière. Si tu lis ça et tu médites, tu vas te précipiter d'aller accomplir ta prière. Parce que tu auras peur de faire partie de ces gens-là, etc., etc. Donc l'état d'esprit, il est capital. Prenons un exemple pour être pragmatique. Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit « Allahu yuhibbu, Allah il aime » et ensuite il donne une caractéristique. Il y en a combien? Vous savez? Il y en a 16. Est-ce que vous savez, il y a combien de versets où Allah il dit « Wallahu la yuhibbu, Allah il n'aime pas » Vous savez, il y en a combien? Il y en a 16 aussi. Regardez l'équilibre. 16 choses qu'Allah il nous dit « j'aime », 16 choses « je n'aime pas ».